tout le monde, c'est Tanner. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un déballage d'un casque gamer. Donc, je l'ai pris sur Amazon, le Nuubo G06, donc à 46,99€. J'ai pu l'avoir avec un coupon de 10€, ce qui me l'a rendu du coup à 36,99€. Il existe en plusieurs couleurs, donc en orange, comme moi, on va le voir de suite, en bleu, en rose, en vert. Et j'ai pu le voir hier, avant de tourner cette vidéo, qu'il existait aussi en blanc. Donc voilà. Donc je les prends pour remplacer mon casque Logitech G935 qui commence à avoir des petits soucis de batterie, qui commence à avoir la petite mousse ici qui commence à s'abîmer, ben, les écouteurs aussi là, les écouteurs, la mousse des écouteurs. En soi, vous allez me dire, oui, mais ça s'enlève, ça change. Peut-être pas la mousse du haut. Mais la mousse des écouteurs se change, oui. La batterie commence à avoir un bon coup de vieux aussi. Je pense que j'ai à peu près le casque, ça doit faire à peu près 4 ans. Donc je pense que l'investissement a été bien, bien fait. Donc revenons du coup à Nuubo. Donc c'est un casque, ben, je l'ai pris en rose pour madame. Et il tient énormément bien la batterie. Elle l'utilise sur une console et sur son téléphone et ça marche très bien. Donc la qualité bien sûr à 36€, enfin 46€, ne sera pas la même du Logitech qui vaut 100€. Hein. Mais pour le peu que je joue et que je vais utiliser, on va dire le casque, un casque on va dire bas de gamme, c'est suffisant. J'ai pris aussi ce casque parce que il est déjà Bluetooth. Enfin il est Bluetooth et il peut se mettre sur les consoles, les PC, etc. Sans fil. Donc moi il me fallait déjà obligatoirement du sans-fil. Après qu'il puisse faire bah, du coup le téléphone et puis l'ordinateur, la console, etc. C'est parfait, c'est un plus pour moi. Et l'avantage il est en type C. J'ai plein d'appareils qui sont maintenant en type C. Le G935 est encore en micro USB, donc voilà, je vais essayer de tout normaliser sur la même norme, sur le même connectique pour ne pas avoir de problème et d'avoir un seul câble. Un seul câble pour tout faire. Donc je vais vite fait parler un peu. Donc on a une batterie qui tient à peu près 100 heures. Bon, c'est pas mal. Il charge en 6 heures. Donc voilà, après les fréquences 200 Hz jusqu'à 200 kHz environ. La distance c'est 10 mètres. Je pense que c'est à peu près pareil que le G935. On va dire une mousse de protection. On va essayer une mousse de protection avec la marque et la couleur. Hop, du papier bulle. Ok. Donc là, c'est en tissu. L'avantage d'enregistrer du tissu par rapport à l'autre qui est en cuir, c'est que l'été, on sentira beaucoup moins. Enfin, le cuir est glissant. Hein, le cuir glisse quand il est mouillé, quand on transpire. Là, le tissu ne va pas mouiller. Histoire, on va dire comme ça. Le tissu risque de mouiller, mais pas au point de glisser, on va dire. Donc, histoire, on va dire comme ça. Le G935, on pouvait poser les écouteurs, enfin, retourner les oreillettes face contre table, ça permettait du coup d'éviter de l'abîmer et de le poser comme ça. Bon, moi j'ai un support donc j'utilise pas plus que ça. Hop, on a la petite protection. Ouais, bon, il est vraiment simple, hein, sobre. Hein. Il n'a pas de LED, donc ce qui fait qu'il a une grosse batterie, hein, une batterie qui tient un peu plus. Il n'est pas démontable au niveau de la batterie, malheureusement. Alors peut-être derrière les oreillettes, on peut le régler. En grandeur, ok. Donc la couleur, ouais, il est très 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 sobre. Hein. Orange, il y a vraiment qu'à l'intérieur, sinon on n'a pas énormément d'orange. Donc en fait, que vous prenez n'importe quelle couleur, ça reste juste très simple. La petite molette du son. Ici pour mute et démute. Ici pour l'allumer et puis switch logique entre le PC et puis le téléphone. Une prise jack. Donc dans logique, j'ai pas testé. Il faudra que vous me demandez ça en commentaire et je répondra en commentaire. Si on le laisse le casque éteint et qu'on le branche en jack, s'il fonctionne ou s'il faut obligatoirement l'allumer. Si on n'a pas besoin de l'allumer, du coup, le casque
pas une durée, on va dire, illimitée, quoi. On n'a plus de batterie, hop, on le branche en jack sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur la console, etc. Et c'est illimité, quoi. Et le port de chargement, ici. On règle ici. Ok. Le micro. Donc, très simple. Donc, je vais revenir du coup un peu sur les points négatifs de ce casque. Après, pour 50 €, je m'y attendais. Donc, voilà, comme je vous disais, poser les écouteurs, les oreillettes sur la table pour éviter de l'abîmer, que l'autre n'a pas. Bon, ça encore, c'est un point moyen. Le micro. Donc, voilà, on le rabat. On le rabat, ça mute le micro automatiquement. Ce qui fait qu'on le rabat rapidement. On n'a pas besoin de chercher un bouton pendant que quelqu'un nous parle à côté et que ça regarde personne d'autre. Après, bon, vous pouvez le rabattre comme ça, hop, le remettre comme ça. Bon, la batterie, du coup, voilà, c'est pour le. C'est pas la batterie, c'est le cache, enfin l'adaptateur à mettre sur le PC. La batterie qu'on pouvait changer en cas de défaillance. Là, la G1, G2, G3, je n'ai jamais trop utilisé. La volume molette, le port micro USB, hop, le port jack. Ah, voilà. Celui-ci a que deux points négatifs, donc le micro qui se mute pas quand on le rebat, et le fait qu'on ne peut pas le poser sur la table. Autrement, ah, allez, on va dire un petit peu le son qui est moins bon par rapport au Logitech, mais ça change pas grand-chose. Ils n'ont pas tout à fait le même packaging du coup entre le rose et puis le orange dans mon cas, hein, parce que le orange, enfin le rose avait tous ses câbles dans une seule petite protection comme ça. Celui-là est tout dans le même truc en fait. Et puis le rose avait des petites oreillettes de chat qu'on met par-dessus. Donc voilà, c'est pour les fans, c'est un peu plus gameuse, on va dire. Donc, ok. Moi, ça n'a pas l'air d'être ouais, Made in China, voilà, le G06 Bluetooth. Ok. Bon, mon ordinateur, j'ai un ordinateur portable du coup qui fait le Bluetooth automatiquement intégré. J'ai déjà deux appareils dessus, je ne sais pas quelles sont les limites du Bluetooth. Donc je vais préférer du coup ce type-là, cet appareil-là. Ce sera peut-être plus simple et puis ça marchera peut-être mieux. Le son en termes de puissance est très bon sur celui-là. Enfin, du moins sur le modèle rose, le son est très 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 bon. Donc là, normalement, il devrait être le même sur le casque, hein, enfin sur celui-là. Il est catégorisé comme haut-parleur sur Windows. Bon, c'est pas tout à fait ça. Je vais essayer de mettre de la musique no copyright. No copy. Copyright. Après, c'est juste vraiment pour tester, donc quelques secondes. Je vais le mettre à son, le fond, à, le son sur Windows à fond. Ok, on est en son spatial désactivé, parfait. Hop, on va voir déjà si. Ok, il faut déjà l'animer aussi, de préférence. Ah, il faut déjà appuyer sur le bon bouton. Hein. Ok, j'ai entendu, donc là je sais pas. Voilà. Donc là, le son est à fond. On l'entend très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que une fois qu'on le met sur les oreilles, on a une sorte de réduction de bruit et on n'entend pas. Il y a quelqu'un à côté qui nous parle, on n'entend absolument pas. Donc là, franchement, rien à redire. Le seul, on va dire, point négatif que j'ai pu remarquer aussi sur celui de ma conjointe, c'est que le seul point négatif que j'ai remarqué sur celui de ma conjointe, je verrai si ça va peut-être même sur celui-là, c'est que quand on a du coup sur la console par exemple et sur le téléphone, pour le switch, c'est très 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 mal géré, je trouve, et c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop si on est sur le téléphone, sur la console, on ne sait pas à ce niveau-là, on ne sait pas la main-d'œuvre réellement. Ils disent qu'il faut ces 2 secondes d'après la notice. Ça n'a pas l'air de bien 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 fonctionner, c'est un peu dommage là-dessus. Après, c'est peut-être une habitude à avoir. Étant donné que moi, le casque de ma conjointe, j'ai pas pu vraiment beaucoup le toucher. J'ai dû l'utiliser que 5 minutes vraiment pour tester un peu le son, voir ce que ça donnait au niveau basse, aigu, tout ça. Donc voilà. J'avais remarqué sur celui de ma conjointe, hein, mais c'est exactement le même. Hein. Du coup, je parle beaucoup sur ma conjointe, mais c'est pour parce que j'ai déjà pu le tester un peu sur l'autre. Les basses sont bonnes, le grave est bon,
Les aigus un peu moins, hein. C'est vraiment un casque un peu, on va dire, boosté sur les basses. On entend plus du boom boom, du grave que le aigu. Ne regardez pas un film avec ça. Honnêtement, pas un film. Pour le jeu, l'expérience c'est un peu spéciale. C'est vraiment trop, il y a trop de basses en fait dans le jeu. C'est un petit peu dommage. Après, je pense que c'est une habitude à avoir. Après, faut se mettre l'idée, non, enfin, faut se mettre dans le cerveau que c'est un casque qui vaut 50 euros quoi. Donc 50 euros qui tient énormément bien la batterie, qui est du coup sans fil pour téléphone, PS4, PS5, PC, etc. Et le micro en Bluetooth fonctionne sur le téléphone. J'ai déjà vu des casques Bluetooth comme ça, enfin des casques du coup comme ça, où c'est que le micro du casque ne fonctionne pas en Bluetooth, donc ne fonctionne pas sur le téléphone, et ça prend le micro du téléphone. Donc il faut avoir le téléphone tout près de sa bouche pour discuter. Que là, on peut avoir le téléphone à 15 km, enfin 10 mètres, du moment que le micro est activé, ça marche pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo.